si on mentionne ENPARD, il faut pas penser à une sorte de type de programme préfabriqué. C'est plutôt un cadre, c'est plutôt une méthodologie. Une méthodologie dans le cadre de laquelle beaucoup de différentes approches de coopération sont possibles. Le seul trait commun est que ça doit être un programme qui vise la stimulation de l'activité agricole et du développement régional et rural sur la base d'une approche participative. Alors maintenant, il faut voir la réalité dans chacun des pays. Le Maroc, ce n'est pas le Liban. Et en Algérie, les situations et les conditions cadres sont certainement différentes de l'Égypte, par exemple. Dans certains pays, peut-être, ENPARD va viser surtout, par exemple, la stimulation de l'activité du secteur de transformation des produits agricoles. Dans d'autres secteurs, c'est peut-être l'organisation des agriculteurs. Tout ça doit être développé au cas par cas. Et là, rien n'est prescrit. Et justement, il fait partie de cette méthodologie ENPARD qu'on va dans le pays, qu'on mène ce dialogue et qu'à travers les dialogues, on développe le programme qu'on va mettre en œuvre ensuite. Ce que je constate, et c'est peut-être un premier critère d'évolution, c'est que l'approche est demandée. Donc ce n'est pas quelque chose que l'Europe impose, mais le plus que ça fait son chemin, le plus on reçoit de demandes, des pays de la Méditerranée, mais par exemple aussi de l'Europe de l'Est. La dernière demande que j'ai eue de manière extrêmement claire et bien prononcée, c'est par exemple de nos collègues en Moldavie, qui demandent que l'Europe se lance dans une expérience de ce type aussi dans leur pays. Donc apparemment, la réputation est suffisamment positive et pour moi, une explication de cette bonne réputation de l'expérience ENPARD, c'est encore une fois que les partenaires n'ont pas l'impression qu'on impose quelque chose, mais que ça leur donne un cadre pour réaliser leurs propres objectifs. Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut faire à l'approche. On est vraiment dans un changement profond et il me semble que ce programme ENPARD, il peut porter d'une façon, si c'est vraiment d'une façon équilibrée, s'il favorise les expériences, les échanges d'expériences à tous les niveaux, y compris entre le Nord et le Sud, bien sûr, mais aussi entre les pays du Sud, sans transposer les modèles, parce que, encore une fois, ça ne marchera pas, on sait bien que ça ne marche pas, je pense qu'il peut être extrêmement utile parce que les problématiques peuvent être, enfin, on peut trouver des points communs dans les problématiques. On va vivre dans les régions du Sud avec une population rurale qui va rester importante, même si elle diminue relativement, mais elle peut aussi augmenter en valeur absolue. Et ça crée des conditions qui rendent les transpositions encore moins pertinentes entre le Nord et le Sud. Pour moi, construire un pont, il faut être deux sur les deux rives de la rivière. Si on construit en même temps, on arrivera à se rencontrer au milieu. S'il y a un seul qui construit, ce pont ne sera jamais construit. Voilà ma philosophie de la chose. ENPARD is being implemented through three different forms of activity. First of all, pilot projects to act immediately and get first-hand experience of how best to adapt the ENPARD concept to the specifics of a given country. The second component of the ENPARD approach is policy dialogue, intended to foster the development of sound, long-term agricultural strategies in all the ENPARD countries, and in doing so to provide a framework, a basis for the multi-annual ENPARD programs in the 2014-2020 programming and funding period. At least for those countries, those among you for whom agriculture and rural development has been identified as a clear priority for future cooperation with the European Union. And the third way in which ENPARD is being implemented is through regional exchanges and experience sharing, allowing views on best practices between the EU and its partners and between yourselves. And today's seminar falls within that third aspect of the ENPARD implementation. But let me make one point that even if one of your countries is not currently giving priority to agriculture and rural development for the
next 7 years of programming. Nonetheless, I think all countries here will be able to benefit from the policy dialogues at the national level and at the regional level and through these seminars. I think that the exchange between Egypt and the other countries is important. Most important between Egypt and the South Mediterranean countries, which is a very important key issue for the development. Because if the European Union can create the possibility of cooperation with the south of Mediterranean, we have to harmonize our knowledge and our information and our expertise in the south Mediterranean in the second step, harmonize it with the European system. On a eu le plaisir d'échanger hier avec des amis égyptiens, jordaniens et autres du monde arabe qui constituent l'essentiel des pays pilotes. Et je pense que nous avons aussi le même désir, parfois un peu confus, de nous structurer et de profiter de cette offre de partenariat pour que finalement nous puissions vraiment collaborer. Ce moment un petit peu de rencontre, de débat et de mutualisation d'expérience est très important pour toute personne qui intervient en matière de développement rural et des espaces de montagne, etc. Tout simplement parce qu'il permet d'échanger un petit peu les expériences des différents pays pilotes, mais également d'échanger avec les pays du Nord, notamment les pays de l'Union européenne, par rapport aux différentes étapes de mise en place des politiques, les instances de gouvernance. Et en tant qu'exploitant agricole et avec une expérience agricole d'à peu près 17 ans, je me voyais apporter ma contribution à la cause en présentant mon expérience. Je voyais nécessité à rencontrer des gens qui sont à peu près dans la même position que moi, c'est-à-dire que ce soit au niveau algérien ou qu'au niveau du Maghreb ou de la rive sud, ce qu'on appelle la rive sud. ENPARD a contribué d'une manière significative à initier le débat national par rapport aux modalités de mise en place de notre stratégie nationale de développement rural, surtout dans sa dimension intersectorielle et interministérielle, dans la mesure où, dans le cadre d'ENPARD et avec l'appui de l'IAM, de SIAM International, il nous a appuyés pour organiser un séminaire national de dialogue et de débat autour de la problématique de développement rural au niveau national, au niveau du Maroc. Et l'initiative ENPARD est parfaitement adaptée par rapport à ce type d'échange et de débat. L'initiative ENPARD, du point de vue du projet pilote, puisqu'il a été adopté, sa première phase, la phase pilote, donc maintenant en 2014, puisqu'il a été adopté en 2013, un projet de 10 millions d'euros qui va venir aussi renforcer un petit peu tout ce qu'on est en train de mener au niveau algéro-algérien. Il va intervenir sur plusieurs composantes. Donc ça concernera notamment tout ce qui est formulation de projets. En même temps aussi, on donne les outils aux institutionnels aussi en termes de renforcement de capacité sur tout ce qui est diagnostic du territoire. On essaie globalement de faire le focus un peu sur toutes les ressources au niveau local, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources naturelles, bien entendu, la biodiversité. C'est comment valoriser tout ce patrimoine et j'allais dire le mettre en perspective et aller jusqu'à la mise en marché de ces produits. Enfin, une troisième composante qui est d'aller un peu vers la création dans ce qu'on appelait un centre de ressources pour essayer aussi de capitaliser et valoriser toutes ces expériences et d'échanger aussi là-dessus sur
les connaissances des uns et des autres, les expériences des uns et des autres, les success stories aussi, parce que c'est très important, mais aussi les échecs, hein, quand il y en a, et il y en a bien sûr dans toute expérience humaine. Sur la Tunisie, il y a 4 zones qui ont été identifiées pour développer différents projets ENPARD, dont un travail sur les forêts du côté d'Ain Drahm, un travail sur la gestion de l'eau du côté dans le sud, du côté de Kébili. Donc c'est déjà des premiers pas sur des problématiques très importantes pour le pays. Sure. When you see or when you hear the experience of different countries, how they are work, it is better to have more knowledge from them, not only the countries from the south, but also there is an expert from Siam and other and EU countries. It was a good experience and we learned a lot. When talking about the supporting of the rural areas, we're talking about different fields of interventions. It's not only agriculture and not only irrigation, but there is health, education, road constructions, various issues that is related to the small farmer. It's part of our program activities actually, is to teach the farmers, the women farmers, how to create their own jobs. We are teaching them now how to create like small activities based on agriculture, like food processing. They are collecting their crops and build on that and do some processing on that. That's generating income for the small farmers. Also for including the some technologies in relation to the welfare. So if the woman, the farmer as a woman, she has like a cattle or a sheep, we are teaching her new approaches. She might be able to manufacture some cheese at home or yogurt, whatever activities that bring her more incomes. The information knowledge collection and dissemination is important, and I think that creating the possibility of the information centers related to climate change or food security, and taking this information to the farmer through an effective extension service is very important. Extension has been degraded a long time ago in Egypt, and it is about time to upgrade the extension service, both by increasing the capacity of the human elements in the section, as well as improving the materials and methods of utilizing the information for advising the growers. It's very important to give value for the civil society organization work, because we are very close to the people. We are within the communities. We live with them. So from my point of view, governments, the European Union, the international community has to give a very important value for the civil society organizations, because we can help in creating the membership based organizations from the targeted people themselves. We can organize them, we can empower them. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faudrait apporter la démarche surtout. Et notamment, j'insisterai là-dessus, s'il fallait une idée forte que nous soutenons, c'est que nous attendons l'Europe sur ce partage dans la construction des politiques publiques entre société civile, monde agricole et décideurs politiques. Ça crée une synergie parce qu'on se rend compte qu'on a des problématiques communes, même si elles sont à des échelles totalement différentes, vu que Maroc et Algérie et la Tunisie, on ne peut pas comparer au niveau volume. Mais nous avons effectivement des problématiques communes sur lesquelles on pourrait réagir de manière commune. Et non pas réagir uniquement, mais agir. C'est-à-dire si on arrivait à s'entendre et à créer une dynamique, même sur des niches de produits comme par exemple l'exploitation des forêts, les huiles essentielles, des choses qui pourraient être plus dans l'air du temps et qui pourraient convenir. Parce que tout le problème est un problème de marché. Les gens voudraient bien rester dans leur région s'ils savaient comment écouler leurs produits,
comment le transformer éventuellement. Au niveau de l'humain, on vient d'initier une étude sur l'harmonisation des politiques agricoles dans les pays agricoles et ruraux au niveau des pays maghrébins. Et cette étude-là, on l'a initiée avec l'aide de la FAO. Et aussi, il y a une partie de l'étude qui concerne l'intégration régionale. Il concernera principalement le rapprochement, si vous voulez, entre les différents instituts étatiques, para-étatiques, privés et publics. Et je suis convaincue que le rapprochement entre le projet ENPARD et le projet que nous avons avec la FAO, que nous allons commencer, qui vraiment sera une très bonne chose pour la réussite de notre étude et pour la pertinence de notre étude, parce que ce rapprochement, il est d'une part à créer, si vous voulez, des réseaux de communication qui seront la base et qui constitueront la base d'un échange d'informations et d'une coordination très, très utile pour nous et je crois aussi pour vous. Merci. ENPARD, in a way, is an offer. It's not something that in any way we would like to impose, and it's not ready-made. It's something that you can use and adapt to the reality and to the priorities that you establish in your countries. We are in your hands on this. If you consider this or that area important, then there are examples for cooperation in this context, and we certainly will find possibilities to frame this into some sort of cooperation framework that we would like then to give the form of a program or a project. Maintenant, il faut que donc la société civile et les institutionnels arrivent à se mettre d'accord pour proposer, dire voilà, tel projet, ce qui pourrait être fait. Et c'est à nous aussi d'avoir une espèce d'émulation et de réunir, de savoir travailler en interne chez nous à notre tour et pour pouvoir continuer dans cette dynamique. Et de telle sorte qu'après il y ait 2020-2028 et ainsi de suite. Alors, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, on a besoin d'espoir et de passion actuellement. Et là, le germe y est.